La pluie, c'est ce qui gâche toujours un petit peu les voyages, mais c'est pas pour autant que je vais me décourager, puisqu'aujourd'hui je vous ai prévu un petit programme assez sympa. Alors ce matin, j'ai réalisé un petit tour gratuit de la ville, il y a des free tours comme ça ici à Plovdiv, et c'est vachement bien pour le coup, parce que c'est comme à Sofia, vous avez un guide qui vous fait le tour de la ville, gratuitement, qui vous explique les lieux à voir, à faire, à connaître. Le truc, c'est que je pouvais pas trop filmer, tu vois, t'es focalisé sur ce que le guide dit, etc. Je me suis dit, bon, plutôt que de faire une vidéo comme ça de ce matin, autant refaire les endroits que j'ai bien appréciés à ma façon pour vous emmener avec moi, mais toujours en mode visite. Quand rien n'est prévu, tout peut arriver, sauf que c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir visiter plus sympathiquement la ville ce matin. Et à la fin, je vous emmènerai en haut d'une colline, parce que ici Plovdiv, on appelle ça la ville aux 7 collines. Il y a plein de petites collines un peu partout et je pense qu'on pourra avoir un panorama magnifique de la ville. Bref, j'espère que le programme vous plaît. En tout cas, moi j'ai hâte. Bon, le seul avantage au moins quand il pleut, c'est qu'il n'y a pas trop de touristes, donc t'es plutôt tranquille pour marcher, pour filmer. Alors là, je suis dans le centre-ville de Plovdiv et tu vois, c'est un petit peu comme à Sofia, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, Alex à Sofia, il m'avait dit pour te repérer, tu sais que quand t'es en centre-ville, lorsque tu vois le dôme doré de la cathédrale Nevski, et ben là c'est pareil, mais sauf avec la grande mosquée, la superbe, la mosquée qui est derrière. Dès que tu vois la mosquée, tu sais que t'es en centre-ville, voilà, c'est le point de repère. Et derrière moi, en fait, il y a des arènes, ça a été découvert quand ils ont voulu creuser, je sais plus qu'est-ce qu'ils voulaient faire exactement, mais en gros, ils ont creusé pour construire quelque chose et ils se sont rendu compte qu'il y avait des arènes qui étaient juste en dessous. Le problème, c'est qu'ils ont creusé juste d'un seul côté, ils pouvaient pas finir le reste parce qu'entre temps, bah, ils avaient construit des bâtiments derrière. Donc ils étaient assez embêtés, tu vois, pas très 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 malins, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc là en fait on est dans Kapana, c'est un quartier de Plovdiv où c'est plein de petits trucs comme ça avec des petits cafés partout. Mais bon, on y est déjà passé hier en fait si vous vous souvenez, c'est pour ça que je vais pas trop en reparler, mais c'est vachement joli. J'adore ces petites rues là comme ça, mais bon, vous voyez hein, quand il pleut c'est pas trop vivant. Je me donne du mal quand même à faire ces vlogs, donc j'espère vraiment que vous les appréciez. Je vous assure que le temps est vraiment pas propice à aller vlogger aujourd'hui, mais franchement si je l'avais pas fait ça aurait été une journée de perdu, donc j'ai envie de continuer. Là on va direction la vieille ville. Magnifique. Hey, good to see you. You too. How are you? Good. I am excellent. Je suis avec mon amie américaine qui était avec moi dans mon auberge à Sofia. Yes. How are you? Yeah, I'm very well. Le monde du voyage est vraiment petit. Bon, vous me direz, on est qu'à 200 km, mais on se retrouve ici par pur hasard. C'est drôle, hein? En fait, ici à Plovdiv, les graffitis, c'est hyper typique. Et derrière moi, j'en ai un magnifique avec un lion. En fait, c'est le symbole ici de la Bulgarie, avec bien évidemment derrière le drapeau de la Bulgarie. Alors là, on est arrivé dans le début de l'ancienne ville. Je vais vous présenter un ami ce matin, il était extraordinaire. Il parle un petit peu français. En fait, ce matin, j'avais soif, donc je suis venu le voir et je lui ai demandé s'il pouvait me remplir ma bouteille d'eau. Et il m'a dit, mon ami, il n'y a pas de problème. Chez moi, on m'a toujours appris deux choses. C'est qu'il faut toujours offrir du pain et de l'eau à quiconque le demande. It's true or not? Yeah. Bread and water. That's what yeah, you say. Yeah, exactly. Thank you very much. You're such an example of hospitality here in Bulgaria. I'm very good. What's your name again? Ivan. Ivan, or my name Jean. Is Ben. Ivan is Yvon in français. Really? Yes. So, je m'appelle Yvon. Perfect. Yeah. Je ne parle bien français parce que je n'écoute à classe en école. Ah, good. But quand tu étais plus jeune ou maintenant tu prends les cours? You non? Lost me before, mind. Before class? Yeah. Ah, okay. Yeah. Because I was from 8 till 12. Oh, cool. So you can have a couple of words. So you came specially for me to just... Yeah, just to say hello because I wanted to record the whole city. Oh, I feel so special. But I wanted to say do again, you thank you. Do you want to make you something to help you in another way? I'm perfect now. Super. That's... Thank you very much. Bye, Ivan. Bye. Bye. Ah, les gens sont vraiment très sympathiques ici en Bulgarie. Je vous promets, ce matin, j'avais trop soif et ma bouteille d'eau, elle était vide, donc je suis rentré là pour la fin. Bref, vous connaissez l'histoire, mais juste incroyable. Donc là, on est arrivé dans la vieille ville et c'est juste trop beau, quoi. C'est plein encore de petites rues comme ça, avec des pavés. Oui, mais en fait, c'est pas trop mal qu'il pleuve. Regardez, je suis tout seul. C'est pas le pur kiff, ça? J'adore ces petites rues, elles sont vraiment typiques de la ville de Plovdiv, quoi. Et on tombe sur notre ami, Lafouine. Hello. Regardez, c'est le sosie de Lafouine ici en Bulgarie. Mais son vrai nom,
C'est Peter Pan. Benjamin Franklin. Exactement. En fait, ce matin, je l'ai croisé. Il m'a fait une petite déo avec sa marionnette en mode Jeff Panaclock. C'était vachement sympa. En fait, notre ami, il a un magasin où il vend pas mal d'articles assez sympas. Bref, mais franchement, le marionnette, c'était pas mal. Hein. Demonstration was good this morning. Là, on arrive à un des endroits où je voulais vous emmener aujourd'hui. Vous allez voir ça. C'est juste ici derrière. C'est une des collines de Plovdiv, en fait. Alors, à la base, je voulais vous emmener sur deux collines. Celle-ci et une autre. Mais bon, je pense que vous avez vu que la météo aujourd'hui ne joue pas en notre faveur. Du coup, on va se contenter de celle-ci. Mais, comme je l'ai déjà dit, on a de la chance, il n'y a personne. Regardez, je suis tout seul, pas de touristes. C'est pas si mal que ça la pluie au final, hein, vraiment. À la base, la deuxième colline où je voulais vous emmener, on peut la voir d'ici. Elle est là-bas, regardez, suivez mon doigt. Elle est juste là. Mais bon, sur celle-là, on peut quand même apprécier un sacré panorama de la ville. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est bon, hein, n'est-ce pas? Franchement, le panorama ici est juste top. Il manque plus que les rayons de soleil et ce serait un peu mieux. Et une fois qu'on est ici sur la colline, on repasse par la vieille ville et on se retrouve ici. Derrière moi, ce sont d'anciennes arènes gréco-romaines. Et maintenant, en fait, ils les utilisent tout simplement pour organiser des concerts, des spectacles. Bah, d'ailleurs, vous pouvez voir, j'ai l'impression qu'ils préparent un prochain concert bientôt. Malheureusement, pour le moment, on peut pas rentrer. Donc, si moi, je peux pas le rentrer, la caméra, elle peut. C'est pas mal, hein. Et une fois que t'es passé par cet endroit, tu retournes un peu dans la vieille ville et tu te retrouves ici, derrière moi, une ancienne église. C'est juste magnifique, franchement. Regardez, je vous laisse admirer ça. Et une fois que t'as l'église derrière toi et que de l'autre côté tu peux apercevoir le dôme de la mosquée, t'as juste à emprunter les petits escaliers comme ça là, tu vois. Et attention, transition pull, tu te retrouves au centre-ville. Et comme par hasard, juste quand je reviens au centre-ville, il pleut plus. Mais bon, je vous avoue que là je suis un petit peu fatigué et je vais aller faire sécher mes affaires. Donc direction l'auberge et ce soir je reviens avec une petite surprise et on se refait une petite transition pull pour le plaisir. Voilà. Nous revoilà, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec cette transition pull, elle est pas mal je trouve, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Bref, je vous avais promis une petite surprise en fin de journée et je ne vous ai pas menti puisque je vais vous y emmener. Mais je sais pas, j'ai vraiment pas eu de chance aujourd'hui, hein. Il s'est arrêté de pleuvoir vraiment quand j'ai terminé de vous montrer ce que j'avais à vous montrer. En tout cas ce soir, regardez comment c'est beau Plovdiv juste avant la tombée de la nuit. Et c'est plus agréable effectivement quand il pleut pas. Bon, trêve de plaisanterie, je vous emmène dans le lieu où je vais vous emmener ce soir pour bien terminer ce vlog. C'est juste ici, chez notre ami Aitou. Si vous vous souvenez hier du vlog, bah allez voir le vlog hier, vous allez tout comprendre l'histoire. Mais je vais la réexpliquer vite fait. Salam alaikum. Oh, alaikum salam, ça va? Comment allez-vous, cher ami? Les gars, tout va bien? Oui, bien. Les gars, qui est venu? Mohamed, il est venu, oui. Avec Mohamed et son bras cassé. Ça va? Ça va bien? Fine, good. Doham, better? Yes, I'm okay, better. Donc voilà, là on est chez notre ami, oui, notre grand ami franco-tour. Oui, et tout, si vous avez vu le vlog d'hier, vous avez tout compris. En fait, on passait dans la rue avec l'ami belge hier. Oui. Il nous a entendu parler en français, il est venu nous aborder gentiment. Il nous a parlé, il nous a offert le thé, il nous a offert un rompa vraiment d'une gentillesse exceptionnelle. C'est ça, l'hospitalité turque. D'ailleurs, je ferai la Turquie sûrement très bientôt. Tu m'as déjà donné un avant-goût. Et tout, il a une histoire assez sympa. C'est qu'avant, il avait justement un restaurant en France. Il a décidé de tout plaquer pour venir s'installer ici en Bulgarie. Donc, il est d'origine franco-turque et il a repris ce beau restaurant ici. Oui, tu fais des spécialités turques. Voilà, ici, oui. On dirait du méchoui marocain. Turkish kebab. C'est Adana Urfa, on dit. Ok. Il y a les poulets, il y a du riz, il y a les couscous comme les couscous. Ok. On a toujours du thé, regarde, il y a toujours, c'est prêt, du thé aussi. Ok. Et si vous faites des bons kebabs ici, turc? Très bon. Ah ouais? Je ne peux pas trouver aucune place. Moi, je vais prendre un kebab alors. J'adore les kebabs moi, alors je prends un kebab. Ah, thank you, merci bon beaucoup. Appétit. En fait, je me suis trompé, moi je pensais que c'était le sandwich kebab, hein, mais en fait, bon, on fait la différence en Turquie avec le doner, donc la viande à couper, vous m'avez compris, là c'est
l'assiette kebab avec la viande. Là, il y a du blé, de la salade. Ça a l'air juste trop bon. Avec petite salade, ça je mange ici. Donc c'est quoi là? Ezmet. Et ça se boit avec le lait. Du lait battu. Du lait battu, ouais. De Iran. C'est typique de Turquie. Oui. Voilà. Bon, en fait, c'est drôle parce que j'étais venu pour faire des vlogs Bulgarie et au final, bientôt, ça va être des vlogs turcs. Quelle histoire incroyable quand même, hein. Oui. C'est fou, si tu n'étais pas venu me parler hier, ben on serait pas là. Comme quoi, c'est ça les voyages, c'est basé toujours sur des rencontres, c'est juste magique quoi. Merci beaucoup. Ça, c'est l'hospitalité à la turque quoi. Ah ouais, trop bon la viande. Ouais, mais mettre dans le pain. Le pain, oui, okay. Avec ça, c'est mieux. Hein. Avec la sauce. Oui, avec des oignons, avec des sauces, avec ça, super, voilà, c'est bien. Avec la salade. Oui. Juste une tuerie. Ça a beaucoup de goût en plus, c'est de la viande d'agneau. Ça dégomme quoi. Ça, c'est un avant-goût de la Turquie, c'est un signe. C'est un signe. La Turquie m'appelle, je le sens. Ça sera sûrement l'un des prochains voyages. Bon, et ben nous, on finit le repas par un bon petit thé. Comme quoi, les cultures se ressemblent vraiment beaucoup. Ça me fait vraiment penser au Maroc, quoi. Et ben ça y est, t'en dis au revoir à mon ami. Merci pour tout et tout. Vraiment... Moi, je suis très content et connaissant aussi. Moi je aussi. Je te souhaite un bon voyage. Merci à la beaucoup. Prochaine, merci j'espère. Pour ton hospitalité. Moi aussi. Inch'Allah, monsieur, comme on dit. Enchanté. Merci pour bon tout. Bon voyage. Au revoir. Merci, mon ami. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Thank you. J'ai pas de mots. Quel exemple incroyable d'hospitalité, vraiment. Aïtou rencontré par pur hasard comme ça, je vous l'ai dit en baladant, et il m'invite à manger deux soirs de suite quoi. Bref, c'est la cerise sur le gâteau pour conclure deux jours magnifiques ici à Plovdiv. Et oui, parce que je prends le train de nuit ce soir pour me rendre à Varna côté mer Noire. On va découvrir une nouvelle partie de la Bulgarie ensemble et ce sera l'occasion de retrouver mon ami que je n'ai pas vu depuis 5 ans. Bref, ça va être juste incroyable, donc je suis trop content et voilà. On se retrouve ici, là où tout a commencé, dans le centre-ville. Regardez comment c'est trop beau la nuit, la mosquée est illuminée. Moi, j'ai dû venir au moins 15 fois aujourd'hui. Mais Plovdiv, en fait, c'est pas une grande ville, donc le centre-ville, il est tout petit. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment tout faire à pied. Bref, en tout cas, si un jour vous passez à Plovdiv, vraiment, s'il vous plaît, allez voir Aïtou. Je mettrai de toute façon dans la barre d'infos. L'adresse, il est à 2 minutes de la mosquée à pied. Tout est petit, hein, je vous ai dit, on a vite fait le tour. Sur ce, moi, j'ai été ravi de vous faire ce vlog aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas de plus bel exemple du... Quand rien n'est prévu, tout peut arriver ici avec ce qui s'est passé. Si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne hein, si jamais vous tombez dessus par hasard. Vous connaissez mes réseaux sociaux, bien évidemment, pour suivre mes actualités. Facebook, Instagram, Twitter, Belenko et Snapchat, Belenko Snap. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je sens que la nuit va être longue là dans le train. Et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas vraiment, mais alors n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.